tiens, voilà quelqu'un, petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain, petit ours brun. Tu fais toujours ton coquin, mon petit ours malin. Tape, tape dans tes mains, petit, petit ours brun. Petit ours brun dit non. J'en veux plus. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu dis non à tout. Quelque chose ne va pas? Non. Allez, encore deux petites bouchées et on n'en parle plus. Non. D'accord, si tu n'as plus faim, tu peux sortir de table. Non, monsieur Lutin, fais un effort. Si tu tiens pas debout, c'est que t'es fatigué. Alors au lit. Non, Ninette, pas là. Monsieur Lutin va faire sa sieste. Alors zou. Ouh, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Quelque chose ne va pas? Tiens, mets aussi ton bonnet. Il fait très froid dehors. Bah, j'ai pas envie de mettre mon bonnet, moi. C'est quand même pas ma maman qui décide si j'ai froid. Regarde, Ninette, je vais la fumer. Si ça se trouve, elle monte dans le ciel pour remplir les nuages. Eh oh, petit nuage! Tiens, c'est pour toi! Flaque d'eau. Tu peux pas la boire, elle est toute dure. Qu'est-ce que tu fais? T'as vu? C'est beau, hein? Ça fait un drôle de dessin tout craqué. C'est à cause du froid, il a transformé l'eau en glace. Ça a quel goût, la glace de flaque d'eau? Hé, goûte pas ça, c'est sale. Je fais ce que je veux d'abord. Ça a le goût de l'herbe, de la terre et de pipi d'escargot. Grand ours rousse, on y va, ma chérie. J'arrive, maman. Tu veux venir avec moi à la bibliothèque? Non, je fais des petits glaçons. C'est pas vrai. Petit ours brun, je t'avais demandé de mettre ton bonnet. Tiens. Non, je veux pas. Tu viens ou c'est moi qui vais te chercher? Non. Ça suffit, petit ours. J'ai du travail. T'es fait mal? Oh non, ne t'inquiète pas, mais j'ai froid, alors mets ton bonnet. C'est pas mieux comme ça? Non, ça me gratte la tête. De toute façon, j'ai plus envie de jouer dehors. Attention, ça glisse! Accident! Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause des flaques de froid. Ah oui, c'est dangereux. Allez, mon chéri, tu ranges tes jouets, s'il te plaît? Je fais couler ton bain. C'est mieux de les garer ici. Comme ça, elles seront déjà prêtes pour jouer demain. Les mamans, ça, c'est pas ça. Non, maman, j'ai trop froid. Allez, mon petit brin d'ours. Une fois dedans, tu seras bien au chaud. Ouh, j'ai des frissons partout. Mais j'ai une idée. Si je garde mes habits, je serai bien protégée. Alors j'y vais, mais comme ça. Non, 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 non. Tu veux que je t'aide à te déshabiller comme un tout petit? Oh non, alors. Je te laisse jouer, mais pas trop longtemps, d'accord? Voilà.
Cache-toi dans la mousse, petit bateau. La tempête arrive. Coucou, c'est moi. Il y a quelqu'un dans cette maison? Oui, il y a une maman fatiguée et un petit ours grognon qui n'a pas arrêté de dire non toute la journée. Il est là-haut? Dans son bain. Tu veux bien aller lui dire de se mettre en pyjama pour le dîner? Ah non alors! Pardon? D'abord, un bisou. Allez, mon grand, il faut sortir maintenant. Je veux encore jouer. Tu sais, quand j'étais petit, je croyais que dire non, ça faisait grandir. Mais en fait, pas du tout. Et ça ne marche toujours pas, d'ailleurs. Regarde. Non, non, oh non, 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 non. Alors, j'ai grandi? Bah non. À toi pour voir. Non, 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 et non, 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 non. Alors, voyons voir. Bon, les oui ne font pas grandir non plus. Mais c'est beaucoup plus agréable à dire. Et après un oui, on se sent vraiment bien. Oui, 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 ah oui, 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 oui. Ah oui. Eh oh, vous êtes prêts là-haut? Oui, oui. Fini. Quel appétit! Tu en veux encore? J'ai le droit de dire non? Mais bien sûr que oui. Dis, je pourrais regarder un petit dessin animé avant d'aller au lit? Tu sais, papa a dit que ça fait du bien quand on dit oui.